Pour réaliser un lissage, je vais avoir besoin du menu géométrie de référence. Je vais donc chercher ce menu. Géométrie de référence va permettre de créer des plans autres que ceux qui sont définis par défaut dans SolidWorks, à savoir face, dessus et droite. Je vais créer dans le plan de face une première esquisse, à savoir un cercle. J'enregistre mon esquisse, elle apparaît donc ici dans mon arbre de création. Et je vais créer à partir du plan de face un deuxième plan en servant de l'icône plan de la boîte géométrie de référence. Je vais rentrer une distance par exemple de 300 mm. Je valide. J'ai donc créé un plan qui se situe à 300 mm du plan de face. Dans ce nouveau plan que je sélectionne, je vais créer une deuxième esquisse. Par exemple, un rectangle. J'enregistre mon esquisse. J'ai donc dans mon arbre de création mes deux esquisses, la première définissant mon cercle et la deuxième définissant mon rectangle. Je vais maintenant pouvoir réaliser mon lissage. Je sélectionne donc dans mon menu fonction l'icône base lissée. Je sélectionne mon premier profil, puis mon deuxième profil, et automatiquement SolidWorks génère le lissage. Je n'ai plus qu'à valider.